Olga. Pardon, pardon, pardon. Mais c'est qu'on est hyper content, le Goap et moi. Ah oui. Et c'est les vacances, l'école est finie, les copains viennent goûter et... Et on va ranger ces vieux albums de contes au grenier. Et c'est que... Si, si, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Et après, on pourra regarder la brochure de notre club de vacances. Waouh, c'est super! T'as vu ça, Goap? Goap! Aime des cailloux et c'est comme ça qu'il retrouve ses parents. Écoute plutôt ça, au Club Azur, tout est permis. Planche à voile, pêche sous-marine, ski nautique, scooter des mers, beach volley. Go up! Go up! Poussée n'est qu'un conte. En vrai, les parents n'abandonnent jamais leurs enfants. En revanche, les animaux familiers, les plantes vertes et les Goaps, si, souvent et surtout quand ils partent en vacances. Goap? Arrête, Jérôme, t'es vraiment pas drôle. Il raconte n'importe quoi, je t'abandonnerai jamais, tu le sais. On dit ça, on dit ça. Vous n'allez pas vous disputer aujourd'hui quand même. C'est notre dernier goûter. Demain, je pars en colonie. Et moi, chez mes grands-parents. Et moi, en camp spéléo avec mes grands frères, ça va être top délire. Et moi, en croisière méga fabuleuse sur le nouveau yacht de papa. Et moi, pour un club de vacances super méga fabuleux. Buffet avec dessert à volonté, jacuzzi, concours de jeux vidéo en ligne, oh, ping-pong, soirée disco pour junior. Tiens, tiens. Le club est interdit aux animaux. N'importe quoi. Interdit aux... Goap. Arrête. C'est sûrement une erreur. Viens, on va voir les parents. Hubert, je rêve du Club Azur depuis des années. M'allonger sous les cocotiers, nager dans la mer d'Azur. M'empêcher l'espadon. Le Goap et moi, on exige des explications. Goap. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un souci, les enfants? Oui, c'est là, pour le confort de tous. Le club est interdit aux animaux. Mais on ne nous a rien dit, c'est très ennuyeux. Alors? Ne t'emballe pas, Géraldine. Si, je m'emballe. Le Goap aussi a besoin de vacances. Oui, évidemment. Il faut réfléchir. On va trouver une solution, hein? Pas besoin de ces cailloux. On ne t'abandonnera pas pour partir en vacances. Hé, Géraldine, si tu fais rien, tu pourrais venir me dire au revoir au bus tout à l'heure. On se verra plus de toutes les vacances. Chut, ne prononce plus jamais le mot vacances devant le Goap. Mais pour... Et puis il n'est pas là, le Goap. Thank you.
Goap, ma carte. Hein? Oh. Goap. Mais quelque chose ne va pas, chérie? Oh. Il faut bien l'avouer, les prévisions sont extrêmement mauvaises pour cet été sur l'île paradisiaque en général et en particulier au-dessus du club Azur. Nous aurons orage, trompe d'eau et certainement une tornade qui risque d'entraîner raz-de-marée, déluge. Ça suffit, Géraldine, ce n'est pas la météo, ça, c'est la fin du monde. De toute façon, on ne peut pas laisser le Goap tout seul. Bien sûr, Géraldine, bien sûr que non. D'ailleurs, nous avons beaucoup cherché et nous avons fini par trouver une superbe pension. C'est pour toi, Goap. C'est hors de question. Si le Goap va en pension, je vais avec lui. Mais les pensions pour animaux sont interdites aux petites filles, n'est-ce pas? Mais oui, c'est très bien. Regarde, des bungalows individuels, un buffet 3 étoiles à volonté, des nouveaux copains, plein de jeux. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, vous êtes content? Vous l'avez complètement traumatisé. Bon, là il va falloir que j'y aille. Bah oui. Oui, dépêche-toi Lucien, tu vas rater le car. J'y vais. Ah, quel dragueur, Lucien. Lucien, ton pique-nique. Lâche-moi, je reviens tout de suite. Goap. Pu se faire enfermer dans cet autocar et pourquoi il ne demande pas au chauffeur de s'arrêter? Il croit peut-être que tu allais vraiment l'abandonner. Mais non, et puis Lucien est dans le car, il va faire quelque chose. Allez, viens. Géraldine doit être très inquiète. Goap! Mon Goap, il est parti sans moi. Ton chemin tout seul, mon grand pousset. Goap! Et t'es devenu écolo en plus. Allez, viens. Cette fois, on va voir ce qu'on va voir. Goap! Tu crois vraiment que cette pension... Oh, c'est comme si on le mettait dans un chenil. Et puis, une séparation. Géraldine n'a jamais été séparée du Goap. Je crois que tu as raison. Nous devons absolument... Maman, papa, le Goap et moi, on pense que... Avant toute chose, Géraldine, je dois te faire part de la décision.
de la décision que ton père et moi avons prise après mûre réflexion. Je veux pas quitter mon Goap! La décision est donc prise à l'unanimité. Goap! Goap! Ah, finalement, un parc naturel, c'est beaucoup mieux. Oh, je m'allongerai sous les sapins et je nagerai dans le lac. Oui, et moi, je pêcherai la truite. Et nos amis, les animaux, sont les bienvenus.